Eh bien salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Epic Seven, on va parler du patch note et du stream. Alors oui, comme vous pouvez le voir, du coup le patch note a lieu un mardi, et donc le stream également, et pas un mercredi, parce que justement, la mise à jour aura lieu demain, le 31, donc peut-être pour éviter de la sortir le 1er avril, c'est possible. Donc il y aura une maintenance, voilà, déjà il y aura une maintenance pour mettre en place tout le contenu. Tout d'abord, merci à tous ceux qui étaient là, sur le stream. Pour ceux qui justement n'étaient pas présents, la vidéo est pour vous, ainsi que le sondage pour justement bénéficier de 3 leafs et 300 000 gold. On est parti, il y a eu du lourd en termes d'annonces, après je dirais plus des surprises, on est et donc commençons. Premièrement, c'est l'ouverture de la saison d'essor de la guerre de guild, donc nouvelle saison de GVG, qui débutera le 3 avril, chez nous, Europe et Global. Nous aurons un nouvel artefact, corps de guerre qui sera disponible, corps de guerre qui est plutôt stylé, en termes d'artwork, j'aimerais bien du coup avoir le personnage qui est sur l'image, mais surtout l'effet est là. Augmente l'attaque de tous les alliés de 10%, donc en limit break max. Après chaque 3 tours ennemis, augmente l'art de recombat de lanceur de 20%. Cet artefact ne s'applique qu'à un seul héros dans l'équipe. Alors c'est peut-être, par exemple, si vous êtes dans une situation, vous êtes contre, par exemple, une compo cleave, entre guillemets, bah vous le mettez, comme ça vous empêchez le quatrième personnage de jouer. C'est possible. Alors encore une fois, ça sera du coup à voir sur le terrain. Je trouve que l'artefact est ok. Je dirais pas, enfin, la puissance de l'artefact ne saute pas à mes yeux comme a pu le faire preuve de vaillance ou même l'artefact qui permet du coup d'ignorer les esquives. Mais peut-être du coup qu'il sera bien sur le long terme à voir. Du coup, voici les cadres de guild pour la saison de passion. Les cadres qui sont plutôt beaux. On aura maintenant accès au Panthéon. Alors qu'est-ce que le Panthéon? Alors en gros, on pourra du coup vérifier les 3 meilleurs guilds de la saison et aussi. Donc ça n'a pas en rapport avec le Panthéon. On aura une fonction qui va nous permettre de vérifier les détails sur les combats livrés par les joueurs. Donc on pourra du coup voir la liste des adversaires et aussi par exemple voir quels héros ont été placés pour le combat. Donc ça c'est bien, on pourra du coup voir quels héros ont bâti notre défense. Ça c'est bien justement pour ceux qui traînent la GVG qui analysent tout ça, c'est cool. Ensuite équilibrage, donc le buff de Sol, hein, j'en ai parlé. Le buff d'Elfeld, j'en ai parlé aussi, du coup il faudra du coup voir sur le terrain. Donc on va pas revenir là-dessus, je mettrai la vidéo du coup en suggestion à la fin. Si vous voulez checker mon avis là-dessus. Le taux de drop Guilty Gear avec Baikon, Dizzy et Elfelt, Miss Confi, Necrondine et Manche Déchirée en artefact. Donc ici, alors, on pourra acheter pour 120 pièces, eh bien, un héros 5 étoiles. Donc Dizzy, Baikon ou Elfelt. On pourra acheter pour 10 pièces un exemplaire de Sol, donc 10 invocations. Donc il semblerait que Sol ne soit pas farmable comme les années précédentes, et donc pour avoir l'imprimé de Sol, il faudra du coup payer les invocations, à savoir du coup 50 invocations pour avoir Sol full imprint. Parce que du coup Sol, on l'aura offert un exemplaire, mais du coup il faudra quand même 5 exemplaires pour le max limit break, en tout cas pour le max imprint triple S. Donc ça peut être un point négatif. On aura pour 100 coins du coup un artefact, pour 5 coins Junkyard Dog, donc 5 fois, et aussi on pourra acheter aussi des portraits pour 4 coins, mais ça du coup on pourra les farmer normalement, ou alors des leafs, des talismans. Donc en gros ce que j'en pense, je pense que vu que Sol doit être acheté pour l'imprint, qu'il n'y aura même pas de side story pour Guilty Gear, juste un niveau de boss, il semblerait que ce soit possiblement la dernière fois que Guilty Gear revienne sur Epic Seven. Donc il est possible que cette fois, pour de bon, Elfelt, Baikon, Dizzy ne soient plus disponibles jusqu'à jamais. C'est possible. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, je ne confirme rien. Mais au vu du format dans lequel le rerun est annoncé, eh bien, ça n'a pas l'air du coup d'être vraiment une collab trop mise en avant avec du coup une histoire derrière. Ça peut être juste du coup une dernière chance pour que les joueurs qui ont loupé tout ça chope les personnages. Justement, on aura l'histoire secondaire de défi, donc ça va juste être un défi au combat révélateur. Donc un défi en difficulté facile, normale, extrême, infernale. C'est ici qu'on va farmer en fait les portraits des sauveurs, l'artefact qui est très fort de Guilty Gear. Donc 8 de stam pour le facile, 12 pour le normal, 20 pour l'extrême et 30 pour l'infernal. Donc on aura justement un portrait des sauveurs, des équipements un peu random. Donc le portrait, ça augmente en fait les dégâts infligés de 20%. Si la santé de la cible est supérieure à 50%, donc en fait c'est le tonfa d'exorciste en meilleur. Vous aurez 5% de chance d'avoir le portrait en facile, 8% en normal, 13% en extrême et 20% de chance d'avoir un portrait pour chaque run en infernal. Voilà. Donc il n'y aura ni réputation, ni quête, ni mission de niveau. On ne pourra pas non plus obtenir des monnaies d'événement pour le bureau de change. Donc c'est vraiment juste un défi avec l'artefact qui est la seule récompense. Et donc c'est pour ça que je pense que ça annonce du coup la fin de Guilty Gear en soi, sur Epic Seven. Nous aurons un event qui aura lieu du 31 mars jusqu'au 29 avril. En fait, on pourra avoir des points pour chaque énergie dépensée. Un point de stam dépensé égale un point. Donc on pourra avoir les points du 31 mars jusqu'au 29 avril, et on pourra du coup dépenser les points du 31 mars jusqu'au 6 mai.
Ok. En fait, comment ça marche? On pourra en fait aller dans le sanctuaire puis atelier d'acier. On pourra, avec une opportunité unique, c'est mentionné ici, opportunité unique, on pourra fabriquer des items. Je le souligne là pour que vous puissiez voir ici. Hop. Opportunité unique. Donc en fait, ce qu'il se passera, c'est qu'on pourra tout simplement choisir le set de l'item, choisir la main stat et aussi reroll les substats pour un seul item. Sauf que ça coûtera des points. Ça coûtera, je crois, 500 points pour choisir la main stat, 400 points environ peut-être pour choisir le set, ou peut-être que c'est l'inverse. Et ça coûtera 50 points pour reroll le substat. Donc en fait, on pourra potentiellement avoir un item quasiment parfait, entre guillemets, de notre choix. Ça coûtera beaucoup d'énergie, mais c'est du bonus. Donc ça va être très bien comme event. Donc ça, en fait, ça permettra littéralement d'avoir un item parfait pour n'importe quel compte. Donc c'est vraiment très bien. Nous aurons une bannière de Ken avec Perle et Samsara pendant une semaine. Donc c'est complètement aux F tier. Ne poulez pas sur cette bannière la maudite. Juste invoquer sur Guilty Gear. On aura Kana Explosive. Voilà, donc Kana modèle explosif 5 étoiles. Elle a un imprint TC en libération et attaque en focalisation. Elle aura 1180 d'attaque, 5300 HP, 114 de speed, 570 défense, 15 TC, 150 CC et 18% défi. Voilà, donc on va dire que c'est le même signe astrologique que SSB, il me semble. Donc les sorts, en gros, c'est simple. Donc on va faire dans l'ordre de la vidéo. Son S3 attaque tous les ennemis, donc attaque une AOE qui aura 100% de chance si vous mettez le skill en plus 2. De dissiper un bonus, d'augmenter la vitesse de tous les alliés pendant 2 tours, et d'augmenter l'attaque de Kana pendant 2 tours. Donc plutôt cool. Et pour un soulburn pour 10 armes, ça va augmenter d'un tour la durée des bonus. Le S1, ça va attaquer 2 ennemis, dont la cible. Les dégâts aussi vont prendre un scaling vitesse, donc ça va être bien en fait pour l'expédition Terre. Pour l'instant, elle a été surtout montrée en expé Terre justement. Donc je pense qu'elle pourrait être ok en Azimanak et en expé Terre, à voir du coup en autre part en PVP. Et le passif, lorsque son S3 sera disponible, elle aura la posture de bombardement. Et lorsque son S3 sera utilisé, elle aura la posture d'assaut. Donc en posture de bombardement, elle gagnera 40% d'efficacité, mais ça passera du coup à 50% en plus 5. Et quand elle sera en posture d'assaut, ça va augmenter la vitesse et les chances de duel attaque de 5%, donc jusqu'à 15% avec le plus 5. Donc voilà, le passif. Donc elle a l'air plutôt ok en expédition. Mais surtout pour moi, elle viendra avec un artefact, parce que finalement, Kana viendra en bannière. Alors oui, ça c'est un petit peu particulier. Elle sera en bannière, mais aussi elle sera gratuite. Vous allez voir. Donc l'artefact est OP, hein. L'artefact il est complètement ouf, c'est Misha, ça augmente en limit break max, en level max, les chances de courir ici de 20%, donc c'est trop OP. Et en plus, ça augmente vos dégâts critiques de 30%, donc vous mettez ça sur Pavel, vous mettez ça sur Briseria, vous mettez ça sur Landy ou machin, c'est trop fort. C'est la clé du serment avec 30% de dégâts critiques en plus, c'est complètement OP. Donc voilà, donc Kana, je vous conseille pas du coup de la poule, juste d'acheter l'artefact avec les poudres de savoir dans la boutique, parce qu'en fait Kana sera disponible gratuitement en un exemplaire dans les connexions. Donc il faudra finir l'histoire, lui donner 3 nerfs fusionnés et aussi éliminer 800 machines et on aura un exemplaire de Kana 5 étoiles gratuite. Ensuite, les expéditions vont être améliorées. Donc maintenant ça va coûter 18 de stamina. De plus maintenant, quand on voulait du coup réessayer en fait l'expédition, avant par exemple si on faisait un essai ça coûtait 20, puis après ça coûtait encore 20, maintenant ça va coûter 18, puis après ça va coûter 9, puis après 5. Ça c'est bien. Maintenant, on pourrait être 8 dans l'expédition au lieu de 6. Ça, c'est super cool. On aura du coup des coffres sélectifs, de pierres, de permutation. Donc, 7 attaques, critique, destruction, rage, contre, vitesse, santé et immunité. Ça, c'est bien. Par contre, du coup, il n'y a pas les nouveaux sets, ce qui est assez intriguant parce qu'en fait, il n'y a pas en fait le nouveau boss en expédition. On va pouvoir récolter Purgis après la mise à jour jusqu'au 15 avril. Donc, 2 semaines pour le récol. Donc, écoutez, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas ce qu'il a, Purgis. En gros, pour le recall, et avoir du coup des pingouins, des fantasmas et des golds. Si vous avez monté Purgis, moi, c'est pas mon cas. Donc, en coin shop, il y aura Bellona et Est, et aussi Dark Corvus. Voilà. Donc, Dark Corvus, c'est pas non plus le personnage que je prendrai en coin shop. Mais bon, si vraiment vous l'aimez, que vous le voulez pour la GVG, pourquoi pas, j'imagine. On pourra agrandir l'inventaire. Donc, ça, c'est cool. Donc, en gros, je crois que c'est 450 actuellement. Donc, on pourra mettre à 500, donc 50 en plus. Maintenant, on pourra justement avoir un mannequin qui va nous aider. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnages pour les tester qui nécessitent du coup un allié pour marcher. Et bien du coup, là, on aura un mannequin qui pourra nous accompagner. Donc ça, c'est cool. Et puis, c'est tout pour le patch note. Maintenant, voyons le stream. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a surtout un seul truc dont j'ai envie de parler. Et c'est le nouveau ML 5 étoiles, finalement. Il s'agit de Solitaria. Alors, elle s'appelle Solitaria des Neiges. Il s'agit de la version Moonlight d'Eda. Alors déjà, je trouve ça super bizarre qu'on ait déjà la version Moonlight d'Eda. Donc c'est une mage light, donc lumière 5 étoiles. Je trouve ça vraiment bizarre qu'on l'ait déjà Eda. Je vais pas dire
je vais pas dire que je suis super hypé. L'artwork me dérange pas. Le S3, je le trouve ok tiers, sans plus. Après, je suis un peu déçu que ce soit Maneda, parce que j'avoue que... Bah en fait, il y a plein de personnages qui méritent plus d'avoir une version Moonlight pour l'instant que Eda qui vient à peine de sortir. Kairon, Charles, Viviane, Lilia, Siouna, Tamarine, plein de personnages finalement de l'épisode 1. Donc mettre du coup des personnages de l'épisode 3 qui viennent de sortir à l'instant, c'est un peu bizarre. Et surtout, vous allez voir du coup son kit. Hein. Donc niveau stat déjà, donc c'est une... Elle est taureau, donc elle a 1040 d'attaque, 5300 de vie, 115 de speed, 670 de défense, 15 TC, 150 de CC, 18% d'FI, 18% de R, un imprint vie en libération et FI en focalisation. Donc vous voyez un petit peu le mage spé debuff, hein, c'est ça clairement. Donc c'est un petit peu redondant avec Archdémon Mercedes et aussi avec Eda justement. Donc alors le passif qui est un petit peu anti-jeu, mais bon bref, on va voir du coup tout ça. Donc en fait, le S2, I wanna go home, donc je veux rentrer à la maison, hein, ça va faire en sorte que tout le gain de focus de l'ennemi est annulé. Point, c'est tout. C'est un passif qui est complètement OP. Ensuite, c'est pas tout parce qu'en fait, quand le lanceur est buffé au début de son tour, elle aura 100% de chance de gagner Daydream. Daydream pendant un tour. Qu'est-ce que ça fait? En fait, quand elle attaque, ça inflige un debuff aléatoire, un malus aléatoire sur la cible pendant un tour. Le buff Daydream de Solitaria ne peut pas être debuff, et donc les debuffs sont debuff attaque, debuff court ici, debuff speed ou unbuffable, anti-buff. Et donc, revenons vite fait sur ce S2. En fait, réfléchissez à tous les personnages qui ont un focus. Alors attention à ne pas mélanger focus et esprit de combat. Esprit de combat, par exemple, c'est Lendi, c'est Ravifeu, donc c'est du coup la barre rouge. Et focus, c'est les points jaunes, en fait. Et donc, pour moi, c'est un nerf, pour moi, c'est trop OP, en fait, cette compétence. Parce que c'est comme Politis, c'est très feignant, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que le passif marche, elle a juste besoin d'être là sur le terrain, sans rien. Donc c'est assez feignant comme mécanique. Mais en plus, certes, ça va counter du coup Arby, parce que Arby, quand il va raise, eh bien, il n'y aura plus de focus, donc il ne pourra plus faire un S3 ultra fort, donc ça c'est bien, counter Arby, on va dire que c'est mérité. Ça va counter Rayolette, alors Rayolette, de mon côté, je trouve que Rayolette a beaucoup de counter, énormément de counter, vraiment beaucoup trop. SSB se fait counter, du coup SSB, bah, en fait, elle ne pourra plus counter avec son S2, donc c'est juste, ça va détruire SSB, elle sera morte contre Solitaria. Avec Ruina et l'Arcane Solitaria, maintenant SSB se fait démolir. Mais pour moi, ce que ça va counter, ce sont des personnages qui ne méritent certainement pas d'être counter, d'être annihilés. Comme Violetaire, Violetaire qui du coup pourra plus générer de focus, il ne mérite pas. Shu qui était buffé, qui ne pourra plus générer de focus. Yuna qui ne pourra plus générer de focus. Pour moi, ce sont des dommages collatéraux qui ne méritent pas d'être nerfés. Et du coup, ils se font nerfer à cause de Solitaria. Il y a aussi du coup Archidémon Mercedes qui se fait nerfer, sauf qu'Archidémon, en fait, elle pourra plus générer de focus, mais elle pourra aussi mettre son seal qui va en fait counter le passif de Solitaria. Donc on va dire que les deux vont se counter entre elles en soi. Rien qu'avec ce S2, Solitaria va être forte dans la méta. Et ce n'est que le S2, parce que passons à la suite maintenant. Son S3, boum, 3 tours de recharge, mono cible, ça va baisser la durée, ça va réduire la durée des buffs de l'ennemi d'un tour, donc ça va enlever l'immunité. Ensuite, elle va attaquer, l'étourdir pendant un tour et le pushback de 30%, et en plus donner furtivité au lanceur. De plus, pour 20 âmes, ça va rallonger la durée du buff. Mais en plus, ça va lui donner un extra tour. Donc, en fait, vu que c'est une mage et qu'elle peut avoir Tage L, elle pourra S3 à l'open, avoir furtivité, rejouer. Et en plus, vu qu'elle aura furtivité, elle sera buffée, donc elle va gagner Daydream son buff. Et donc, avec son S1, elle pourra appliquer un debuff aléatoire sur l'ennemi. Et c'est pas fini, parce que, déjà, juste revenons à ce S3. Ce S3, en fait, il va counter, par exemple, encore plus Rayolette. Voilà, ce S3 counter aussi Rayolette, parce que ça va le strip avant. Et puis après, du coup, le stun et le pushback. Donc, elle pourra même être jouée en opener, malgré sa speed qui est quand même assez lente, je vous avoue. Donc, peut-être, du coup, en second opener, comme une Fairy Tail Tenebria, par exemple. Donc, comme je vous ai dit, justement, elle pourra S3 à l'open, soul burn, extra tour, furtivité, pushback, stun, machin. Son S2 va lui générer, du coup, Daydream, son buff. Et en plus, maintenant, le S1. Le S1 fait en sorte que lorsque Solitaria joue, donc il s'appelle Piu Piu, le S1, attaque mono-cible qui a 25% de chance de stun pendant un tour, mais quand le Piu Piu est utilisé lors du tour de Solitaria, l'attaque devient AOE, ça ne peut pas déclencher le duel attaque, et donc elle pourra stun en AOE 25%, et en plus du coup, si elle a soulburn au début avec le S3, eh bien elle aura un buff du coup Daydream, et il se peut, donc ça a confirmé, que Daydream fasse mettre aussi un debuff en AOE, c'est possible. Ça me fait très peur ça. Et c'est même pas, je pense, parce que sur la vidéo, on voit que le Piu Piu inflige blind et sur Ataywin et debuff attaque sur SSB. Donc voilà. Donc en gros, strip un personnage, le pushback, le stun, soul burn, S1 AOE qui va stun,
qui va mettre un debuff aléatoire sur tous les ennemis, et en plus elle va annuler toutes sortes de focus, de génération de focus. Donc pour moi Solitaria, sur le papier, on n'a pas encore les multi, mais en fait finalement c'est un match contrôle, elle est OP. Voilà, elle est juste OP, Solitaria. Donc c'était le résumé du personnage. Alors ce que j'en pense, comme je vous l'ai dit, je suis un peu déçu qu'elle soit annoncée, parce que honnêtement je m'en fous complètement d'Eda, je ne suis pas le nouveau lore, je ne le suis pas, et même je trouve que c'est pas forcément bienvenu ML Eda alors qu'il y a plein de personnages Moonlight, ou plutôt RGB, qui attendent une version Moonlight. En soi Eda, je trouve que son animation S3 est OK sans plus, contrairement à TML ou même ML Izaria. Elle est OP et je trouve en fait qu'elle ne résout pas le problème de la méta un petit peu atroce actuelle en RTA, qui est la méta des Golden Boys avec ML Croge et Purgis, parce que au contraire, vous ne prendrez jamais Solitaria contre eux, parce que le S1 en AOE justement va permettre de recharger le S3 de l'Arcal et donner un shield, ça va serpush tous les ennemis avec le passif de G Purgis. Donc en fait pour moi, Solitaria ne va pas counter la méta Golden Boys, la méta actuelle qui est assez oppressante, mais va plutôt la renforcer limite, parce qu'on pourra peut-être la jouer avec les Golden Boys. Donc ça fait un petit peu peur, et Solitaria ML Eda. Mais sinon, elle reste très forte, très puissante, elle va counter deux unités clés du jeu, Arby et SSB, mais en plus, va du coup counter d'autres unités qui ne méritent pas d'être counter, absolument pas, notamment Shu, Yuna et Violette Terre. Je suis désolé, ça, elle ne mérite pas d'être counter. Donc à voir ce qu'elle vaut sur le terrain, elle s'annonce super forte, c'est un petit peu power creep, un petit peu. Et en fait, je trouve que c'est assez, comme je vous l'ai dit, assez feignant d'avoir un passif qui est juste counter tout. Enfin bref. Ensuite, c'est pas tout, parce qu'on aura un dernier point, ça je pense que c'est pour du coup partir sur une note positive. On aura 10 invocations offertes, une multi offerte pour le 1er avril. Donc voilà, une multi, et c'est cool, c'est déjà bien, voilà, c'est cool. Écoutez, sur ce, la vidéo est terminée. Donc petit récap pour demain, vu que c'est demain le patch, hein, et pas après-demain. Donc on aura nouvelle saison de guild, mais qui viendra dans quelques jours, avec un nouvel artefact corps de guerre. On pourra du coup voir les personnes qui nous ont attaqué et leur team. Équilibrage, Buffelfelt et Buffsol. Bannière, Elfelt, Baiken, Dizzy avec leurs 3 artefacts. Sol qui ne pourra pas du coup être farmable, et on faudra du coup l'acheter avec des coins dans la boutique normalement. Pareil pour Junkyard Dog. On aura un seul stage où on pourra farmer les portraits des sauveurs. Pas de side story du coup Guilty Gear. Nous aurons aussi un event où on pourra accumuler des points pour Reforge, changer la substat, changer la main set et le set d'un item de notre choix, plutôt le crafter de notre choix. On aura une bannière de Ken Feu, on aura une bannière normalement de Kana qui arrivera aussi avec son artefact. On pourra recall Purgis, Kana sera disponible gratuitement en héros de connexion en un exemplaire. Coin Shop, Bellona, Haste, Corvus Obscur, on pourra agrandir l'inventaire, on pourra avoir un allié en essai contre les Punching Ball, et du coup Solitaria arrivera d'ici 2 semaines. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Les liens seront en description ainsi que le sondage pour les leafs et les gold. Dites-moi ce que vous pensez de Solitaria dans les commentaires, ce que vous pensez de Kana dans les commentaires, ce que vous pensez des buffs, tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour du contenu sur Epic 7, surtout les patch notes finalement, les résumés, les news. Il y a mon Twitter, mon Twitch et mon Discord dans la description. Sur ce, portez-vous bien surtout en ces temps-ci, et à plus.